Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche 29 janvier, c'est la 102e édition du Prix d'Amérique et je vous propose une vidéo prono avec différents types de paris à tenter sur The Turf. Alors pour l'occasion, vous pouvez profiter d'un bonus spécial pour ce week-end avec un bonus différent de d'habitude sur The Turf qui peut vous intéresser puisque votre premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € maximum en crédit de jeu non retirable avec le code RDJ200. Alors, c'est-à-dire que si vous faites un premier dépôt de 100 €, eh bien, The Turf va créditer votre compte de 100 € de free bet, ce qui vous donne 200 € pour jouer et pourquoi pas pour parier sur le Prix d'Amérique. Le lien pour en profiter est dans la description et n'oubliez surtout pas le code RDJ200 puisque sinon, vous profiterez de l'autre bonus, le bonus classique qui, pour le coup, est beaucoup moins simple d'accès et plus difficile à débloquer entièrement. Alors attention, ce bonus spécial, c'est uniquement jusqu'à ce dimanche 29 janvier, 23h59. Alors le Prix d'Amérique, c'est vraiment l'épreuve reine du trot attelé, les meilleurs trotteurs du monde qui se donnent rendez-vous le dernier dimanche de janvier pour s'affronter sur la distance classique des 2700 mètres à Vincennes. Davidson Dupont, le gagnant de l'année dernière, ne sera pas au départ cette année, mais pas de panique puisque le Cru 2023 est absolument exceptionnel, une course assez ouverte avec de très très bons chevaux et un niveau, j'ai même pas les mots pour décrire le niveau et le spectacle auquel on va assister dimanche. Partagez votre prono et vos pronos pour cette course d'exception dans les commentaires. Et moi, je démarre avec le simple gagnant. Alors, le simple gagnant, vous devez trouver le gagnant de la course et la mise de base sur The Turf est de 1 €. Donc, je vais vous proposer mes deux chouchous. À savoir, pour commencer, le numéro 6, Idaho de Tillard, qui ne cesse d'impressionner, notamment avec sa vitesse redoutable et sa très bonne capacité d'adaptation. Alors, pour en savoir plus sur les chevaux dont je vous parle, vous pouvez consulter directement mon article, c'est gratuit, sur ruedesjoueurs.com. Là, je vais vraiment faire une synthèse des chevaux. Mais pour plus de détails, vous pouvez aller sur l'article, le lien est dans la description. Je vous propose également pour un pari en simple gagnant le numéro 2, Orsi Dream. Alors vraiment, mon cœur balance hein, entre le 6 et le 2, j'arrive pas vraiment à faire un choix. Orsi Dream qui prend une sacrée assurance à chacune de ses sorties et son duo avec Eric Raffin pourrait bien, eh bien le propulser sur la plus haute marche du podium. Donc ici, vous pouvez jouer les deux, c'est 1 € par cheval, mais attention car le rapport du numéro 2 risque d'être assez faible, même en gagnant. On va poursuivre avec mes pronos en simple placé. Donc là, c'est-à-dire que vous devez trouver un cheval qui sera dans les 3 premiers de l'arrivée. Donc la mise pour un cheval est de 1 €. Et là, je vais vous proposer 3 chevaux dont les rapports devraient être assez intéressants. Je démarre avec l'As Hip Hop au Fort. C'est un fils de Penquick qui a un tempérament de champion et surtout une forme physique complètement démentielle. On passe au numéro 9, Hooker Berry, qui sera le seul Bazir au départ, qui a vraiment bénéficié d'une préparation de champion après la petite déception lors du prix de Belgique. Mais attention, on le sait, et bien avec Jean-Mimi Bazir, c'est tout ou rien. Et je termine mes simples placés avec le numéro 16, Della du Pomereux, qui est vraiment une jument que j'apprécie beaucoup. Elle a 10 ans, elle a été impériale lors de sa victoire dans le prix de Bourgogne. Et elle a participé plusieurs fois à cette épreuve reine. Et je pense qu'elle pourrait à nouveau jouer un beau rôle ici. Donc elle ne doit pas être écartée trop hâtivement. Donc comme je vous l'ai dit, en simple placé, vous pouvez jouer un seul cheval, mais c'est 1 € le cheval, mais là je vous en propose 3, donc c'est un ticket qui coûte 3 €.
On va passer au jumelé gagnant. Alors, le jumelé gagnant, en fait, vous devez trouver les deux premiers chevaux de l'arrivée, peu importe l'ordre. La mise de base est aussi de 1 euro pour deux chevaux. Et là, je vais vous proposer un ticket à 3 euros avec 3 chevaux, à savoir les numéros As, 2 et 6. Un pari maintenant que j'aime beaucoup sur The Turf, c'est le The Couillon. Il faut trouver le quatrième de l'arrivée et les rapports sont souvent très très intéressants. Mais en même temps, c'est quand même pas évident. Donc idem, hein, mise de base, 1 euro par cheval. Je vous propose plusieurs numéros. Le 3 pour commencer, c'est Hussard du Landrais. Premier prix d'Amérique pour son entraîneur, qui est aussi son driver, Benoît Robin. Hussard du Landrais est impressionnant quand il est déféré, ce qui sera le cas dimanche. Deuxième du prix du Bourbonnais, ben ce ne serait pas étonnant de le voir dans la combinaison gagnante. Le numéro 11, Honeck, qui a été qualifié sur le fil grâce à 3e place du prix de Belgique. On peut difficilement faire plus régulier que lui, puisque ça fait 2 ans qu'il est à l'arrivée de toutes ses courses. Attention toutefois à la distance, qui n'est pas vraiment sa distance de prédilection. C'est pour ça que je le mets plutôt en bout de course. Le 14, Flamme du Goutier, qui a remporté pour la 2e fois consécutive le prix du Cornulier dimanche dernier. Elle est en forme, elle sera pieds nus, donc j'y crois. Et enfin, le numéro 16, Delia Dupomereux, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et pour terminer mes paris, je vais vous proposer les The Five. Les The Five qui sont l'équivalent du Pick 5. Et donc, vous devez trouver les 5 premiers de l'arrivée, peu importe l'ordre. Donc là, je vais commencer avec un The Five classique, un The Five à 1 euro, un The Five de 5 chevaux. Attention à savoir que vous pouvez jouer à 50%, c'est-à-dire avec une mise de 50 centimes. Et donc, en cas de gain, eh ben, vous remporterez la moitié du The Five, 50% donc. Je vous propose l'As, le 2, le 6, le 14 et le 16. On élargit cette combinaison, on passe en 8 chevaux, toujours un The 5, un ticket qui coûte 28 euros si vous le jouez à 50%, donc avec une mise de 50 centimes, mais qui coûte normalement 56 euros. Je vous propose l'As, le 2, le 3, le 6, le 9, le 11, le 14 et le 16. Et enfin, je vais vous proposer un The Five en champ réduit. Donc, dans mon ticket, je prends 2 bases qui, pour moi, seront à l'arrivée, soit les numéros 6 et 2. Et j'ajoute des chevaux complémentaires, à savoir ici les numéros As, 3, 9, 11, 14 et 16. C'est un ticket qui coûte 20 euros, mais vous pouvez le jouer à 50%, donc 10 euros le ticket. Donc vous le voyez, il est moins cher que le The Five en 8 chevaux, alors qu'il y a le même nombre de chevaux. Tout simplement parce que dans toutes mes combinaisons du champ réduit, il y aura le 6 et le 2, soit au total 20 combinaisons. Ce sont mes bases. Alors que dans le The Five en 8 chevaux à 56 euros, eh bien il y a 56 combinaisons puisque tous les chevaux tournent. Partagez votre prono dans les commentaires et n'oubliez pas le bonus The Turf, 100 euros, votre premier dépôt est doublé jusqu'à 100 euros avec le code RDJ200. Profitez-en, ça se finit dimanche 23h59. Bon pari à tous, bon spectacle et à très vite. Ciao, ciao.